n'a aucun droit sur la musique. Merci d'être là. Je voudrais ce dimanche 3 avril 2022 parler de cette actualité en Côte d'Ivoire qui est l'affaire du qu'on a appelé Jésus Baoulé. Je voudrais parler de cette actualité avec vous. Mes frères et sœurs, ça ne sert à rien de chercher à signaler cette vidéo parce qu'elle ne sera pas signalée. On va continuer la conversation. Voilà. On va continuer la conversation. Donc, je voudrais, comme je vous l'ai dit, aborder ce sujet délicat qui est la religion. La République, l'État et les religions. Un instant, excusez-moi, pardon, excusez-moi un instant. Vous allez m'excuser, hein? Désolé, excusez-moi, parce qu'il y avait mon... Voilà. J'avais mon fils qui faisait un peu de bruit. Voilà, donc je voulais parler de cette actualité avec vous. Amadou Kiki, mon frère, merci, bonsoir, merci d'être là. Diaby, Sori, Ibe, je te salue, j'ai vu que tu as partagé, merci à toi. Merci pour toutes les personnes qui sont là. Permettez-moi rapidement le temps de publier sur ma page personnelle et de... d'aborder ce sujet délicat avec vous. Vous savez, pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, je ne parle jamais des religions. Et la religion est tellement sensible que j'aborde rarement ces sujets. Parce que la religion est passion. Elle est passion, la religion. Déjà que la politique nous divise suffisamment, la religion nous fragilise encore. Parce que les uns et les autres sont dans une appréciation parfois fanatique, parfois passionnelle, une relation passionnelle de la religion, de la doctrine religieuse, à tel point que on a du mal à aborder ces sujets sans vexer les uns et les autres. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vexer qui que ce soit. C'est pour ça que j'ai tenu même à porter même mon chapelet au cou pour dire ce sujet que je vais aborder là. Oui, c'est vrai, je vais parler de ce personnage qu'on appelle Jésus Baoulé. Bon, je ne sais pas pourquoi on l'a appelé comme ça. Je ne pourrais pas vous le dire. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Koulibaly Mohamed, merci. Je ne sais pas pourquoi on l'a appelé comme ça. Mais c'est un tout. Ça, un tout. Ce n'est pas que je veux m'apprendre à une personne. Personnellement, non. C'est pour ça que j'ai mis aussi l'image de la dame qu'on appelle Adissa Touré. Parce que sur les sujets de société, bien vrai que nous sommes dans une république laïque, et j'ose espérer que nous sommes dans une république laïque. Parce que dans une république laïque, on parlera aussi de la laïcité. Quand j'ai fait mon poste s'agissant de monsieur Naomi, qu'on appelle Naomi le Jésus Baoulé, j'ai lu les commentaires, il y a eu plus de 400 commentaires. J'ai lu au fur et à mesure les commentaires. J'ai compris beaucoup de choses que, quelque part, il y a l'éducation aussi qui manque parfois. Il y a l'éducation politique qui manque. Il y a l'éducation spirituelle qui manque aussi à beaucoup de nos concitoyens et puis à la masse même sur le continent africain. Donc les gens ont du mal à aborder ces sujets-là sans être forcément passionnés. Moi, je suis de confession chrétienne. Je suis de confession chrétienne. Mais je ne le revendique pas. Et c'est pour ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux, je ne les revendique pas. Je respecte la religion des uns et des autres. Mais quand il s'agit d'un sujet qui touche la société, qui n'est plus un fait religieux, je me permets de prendre la parole en tant qu'une citoyenne et non en tant qu'une chrétienne ou en tant qu'une musulmane ou en tant qu'une bouddhiste ou en tant qu'une judaïste. Je prends la parole en tant qu'une citoyenne pour parler de ce problème des sociétés. Il s'agit de monsieur Jésus Baoulé. Le monsieur Jésus Baoulé, malheureusement, c'est tombé sur lui. Et comme c'est l'actualité, j'en parle. Sinon, on peut dire, et je peux même dire, je peux confirmer que ce genre de pratique-là, de ce Jésus Baoulé-là, ce n'est pas la première fois dans notre pays, la Côte d'Ivoire, que des individus comme ça se réclamant des prophètes ou se réclamant d'être des envoyés de Dieu sur terre sévissent de cette façon-là. Et pourquoi je le dis? Ça ne veut pas dire que je critique
la religion chrétienne en elle-même. Je le dis, je suis moi-même chrétienne. C'est pour ça que je suis à l'aise d'aborder le sujet en tant que citoyenne. Parce que si j'étais musulmane, que j'abordais le sujet en tant que musulmane et en tant que citoyenne, on aurait dit, ah tiens, c'est une musulmane qui critique la religion, c'est-à-dire les radicaux, les extrémistes sont de tous bords. Dans toutes les religions, il y a des extrémistes. Malheureusement, il y a des extrémistes qui n'ont pas compris même la parole, même les livres, ça. Qui n'ont pas compris, qui ont la mauvaise interprétation des livres. Donc ceux-là, ils sont radicalisés, ils sont bloqués. Ce qu'on appelle les radicaux, c'est des gens qui sont bloqués sur une doctrine et qui ne cherchent pas à avoir l'esprit de discernement. Pourtant, Dieu même dans les livres, ça a dit, il faut avoir l'esprit de discernement pour distinguer les faux prophètes des vrais prophètes. Pour distinguer les faux envoyés de Dieu, ceux qui parlent au nom de Dieu et les faux envoyés de Dieu. Donc, si on n'a pas l'esprit de discernement, on ne peut pas discerner le vrai du faux. Que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans chez les judaïstes, chez les bouddhistes, c'est écrit. L'esprit de discernement nous permet de discerner le vrai du faux. L'esprit de discernement nous permet de voir le faux, les imposteurs. Oui, parce qu'il y a des imposteurs. Même dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues, il y a des imposteurs. Mais il faut avoir l'esprit de discernement. Cela pour les voir, pour les distinguer et pour s'en méfier. Parce que c'est écrit dans les livres, dans la Bible, c'est écrit. Méfiez-vous de ceux qui parlent à mon nom. Méfiez-vous de ceux qui opèrent les miracles à mon nom. Méfiez-vous de ceux qui disent qu'ils chassent les démons à mon nom. Ceux-là, le dernier jour, ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Beaucoup d'entre eux, ils diront, Jésus, j'ai prophétisé. Jésus, j'ai chassé les démons. Jésus, Jésus a dit dans la parole de la Bible. Jésus a dit, ceux qui crient Seigneur, 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 le dernier jour, ne rentreront pas dans la maison de mon Père. Ils me diront, Seigneur, nous avons évangélisé, Seigneur, nous avons chassé les démons, Seigneur, nous avons fait des prophéties, Seigneur, nous avons opéré des miracles. Je leur répondrai, je ne vous ai jamais connu, parce que vous n'avez pas fait l'œuvre de mon Père. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est quoi l'œuvre de Dieu? Donc, mes frères et sœurs, avant de commencer avec vous, je veux qu'on puisse écouter les vidéos que j'ai sélectionnées et on va aborder ensemble cette actualité. Voilà. Et on va aborder ensemble cette actualité. Merci pour ceux qui ont commencé à partager la vidéo. Merci à vous. Et merci pour ceux qui sont là. Olivia Whisper, merci à toi. Jade, Elisa, Cadrel dit qu'il faut un suivi psychologique pour ces personnes qui disent être l'incarnation de Dieu. Tout à fait. On va aborder tout ça ensemble. On va aborder tout ça ensemble. Donc, je vais mettre... voilà, on va aborder ça ensemble. On va écouter quelques vidéos et on aborde ensemble. On part en vidéo. La première vidéo va être celle-là. Voilà. Les pasteurs qui disent qu'ils sont les envoyés de Dieu, que c'est eux, je ne sais pas tous les pasteurs, c'est certains pasteurs. Ceux-là même qui blasphèment, qui utilisent le nom de Christ, qui utilisent le nom de l'Église, qui utilisent le nom de Dieu, qui utilisent même le mot pasteur. Et qui font du cinéma dans des salles. On va regarder un d'entre eux. C'est avec un ballon de foot. D'après lui, avec ses... Jésus, descend vite. Hein. On va aller. On y va.
Voilà. Et Jésus. Alors, vous qui avez suivi mon frère Meko Desso de Kavena, je te salue, merci. Doumbia, Rima, je t'embrasse, ma princesse, merci. On va, vous qui avez regardé cette petite vidéo qui fait peut-être 30 secondes, je veux qu'on la regarde encore à nouveau. Et puis on va parler aujourd'hui de Dieu. La parole de Dieu, on va parler de la... Que dit la parole de Dieu? Les gens sont dans l'obscurantisme. Ils disent qu'ils sont les envoyés de Dieu. On y va, on va la regarder encore. Mes frères et sœurs, on continue. On continue, on va regarder une autre vidéo de Monsieur Naomi, dit Jésus Baoulé, qui lui-même dit qu'il est Jésus. C'était Jésus. Celui qui a été crucifié sur la croix, là, lui, il dit, lui, il est Jésus, là, c'était. On continue. Vous voyez dans notre hymne national, ô terre d'espérance, l'espérance promise à l'humanité. Ah, Voici l'espérance promise à l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est assis en tout blanc en face de vous et que vous voyez. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, vraiment. C'est lui-là qui est Jésus. C'est-à-dire, il dépasse même le siècle même. Il dépasse le siècle même de ce qu'il... Parce que les gens ont parlé de laïcité. On va venir sur la laïcité. La laïcité, là, c'est de croire ou de ne pas croire. Mais il dépasse même le siècle même de ce en quoi il croit. Parce que lui, il ne croit pas. Moi, je ne pense pas qu'il croit à Jésus. Mais je ne vais pas porter de jugement. Il dit, dans notre hymne national, il prend l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire, qui est la République est laïque. Il dit... Il prend une partie de l'hymne national, ô terre d'espérance. Et donc c'est lui qui est Jésus qu'on a envoyé en Côte d'Ivoire pour prophétiser sur l'hymne national terre d'espérance. Ne signalez pas la vidéo, ça ne sert à rien. Je vous ai dit, ne signalez pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de signaler. Je suis pour l'instant, je suis zen. Parce que je veux parler, moi je suis une croyante. Moi je suis une chrétienne. Je respecte Dieu, je respecte celui qui est au-dessus de nous. Je respecte l'être suprême parce que je pense et je crois que il y a quelqu'un au-dessus de nous. Il y a un grand architecte au-dessus de nous. Le monde n'a pas été inventé. Le monde n'a pas été inventé, mes frères et sœurs. Vous signalez la vidéo pour rien. Vous la signalez pour rien, la vidéo. Elle va continuer, est-ce que vous ne savez pas? Vous l'avez signalé pour rien, mais elle va continuer cette vidéo-là. Le monde n'a pas été inventé, il a été créé. On n'a pas créé le monde en laboratoire. Je ne crois pas. Donc forcément, il y a quelque chose au-dessus de nous tous que personne n'a vu, personne ne connaît, mais on dit Dieu. En fonction de ta religion, tu donnes un nom, tu attribues un nom à Dieu, mais personne ne l'a vu. Donc nous tous, nous craignons quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui est au-dessus de toute religion, Dieu au-dessus de toute religion. C'est pour ça qu'il est unique. Il est universel. Il est Dieu, il est immense. Il est l'infini.
Seigneur, si ce n'est pas la pauvreté intellectuelle et spirituelle, si ce n'est pas la pauvreté intellectuelle et spirituelle qui peut pousser des êtres humains à croire à des personnes aussi déréglées, je ne sais pas ce que ça peut être. On va continuer. C'est triste à dire, ça me peine, ça me peine. C'est la pauvreté intellectuelle, la pauvreté professionnelle, la pauvreté spirituelle qui pousse les gens à croire à ce genre d'individus dans la société. Sinon, quelqu'un qui est lucide, quelqu'un qui a à manger, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a appris, qui a été à l'école, quelqu'un qui a les connaissances de ce que c'est qu'une religion, de ce que c'est que la République, de ce que c'est que les valeurs même de la religion, quelqu'un qui comprend même les livres, qui sait interpréter, à qui on a expliqué les livres, on a mieux interprété les livres saints, ne peut pas s'asseoir devant un monsieur comme ça, et puis il va dire que lui, il est Jésus, et puis il va faire ça pour les regarder, et puis on croit, ils vont applaudir. Seigneur, descends vite. On va regarder ça là encore. Là. On va regarder ça encore. Parce que ça, c'est la partie même qui fait le hic dans l'affaire. Jésus. Vous voyez dans notre hymne national, ô terre d'espérance, l'espérance promise à l'humanité. Voici l'espérance promise à l'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ. Ô terre d'espérance. C'est ça qu'il y a là. D'accord. C'est lui qui est assis en tout blanc en face de vous et que vous voyez. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, le monsieur a dit que... Vous allez m'excuser, hein, voilà. Je vais rapidement, comme je dis, partager sur ma page. On va continuer notre... Il dit, dans notre hymne national, ô terre d'espérance, la terre promise à l'humanité, c'est lui qui est là, c'est Jésus de Nazareth, là, c'est lui là qui est là, le monsieur là, c'est lui qui est Jésus qui est là. Ok. Mais... Seigneur. Comme lui-même il sait, enfin, j'espère qu'il sait que Jésus là, on l'a mis sur la croix. Il sait ça. Lui-même là, il sait que Jésus là, on l'a mis sur la croix. On va le mettre sur la croix, il va nous dire qu'il est Jésus. Oui. C'est-à-dire qu'on va devenir même les juifs, les parents de Jésus là. On va devenir les parents de Jésus, puis on va le tester. On va le mettre sur la croix comme Jésus. Et puis on va voir si 3 jours après, il peut être ressuscité. On va le mettre dans la grotte. On va suivre tout le parcours là. On va essayer de faire ça. Il faut que les gens arrêtent de jouer avec la faiblesse des gens. Moi, j'appelle ça un abus de faiblesse. On va continuer. C'est un abus de faiblesse. C'est pour ça que j'ai parlé des faux prophètes écrits dans Matthieu. Dans le livre de Matthieu, c'est écrit les faux prophètes. Continuons. On va regarder une autre de ces vidéos. Ah. Toi, ce n'est pas étranger, mais est-ce que tu as conseillé aussi? Et puis tu es assis en bas du ventilateur là. Debout! Toi, tu t'assois en bas du ventilateur. Qui a conseillé aussi? T'as conseillé aussi. Quitte-la. Toi, viens t'asseoir ici. Viens ici. C'est moi qui te donne ça, la place là. Voilà. Quitte-la, va là-bas. Toi, viens ici. Ça, là, ça peut se souvenir. Lui, il est abidjanais. Toi, tu n'es pas abidjan ici. Tu as conseillé aussi. Le jour où on te trouver au siège là-bas, si avant ça, t'es là, tu le fais quitter là. Tu lui dis, c'est nous, on a construit. Donc, là-bas, dans chaleur. Où bien?
Tu n'as pas construit aussi, c'est toi qui es en bas devant ta tête. Moi, je n'ai pas construit aussi. Est-ce que tu vois devant ta tête souffler sur moi? Mes frères et sœurs, vous qui m'avez lu, je lis votre commentaire ici, parce que sur l'écran, je ne le lis pas, donc je n'arrive pas à lire, donc je lis sur mon téléphone ici. Dites-moi, c'est l'œuvre de Jésus qui est là, ce monsieur-là. J'appelle tous les chrétiens du monde entier, c'est-à-dire que qu'ils soient... Qu'on soit athée, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit judaïste. Les livres saints, là, c'est une seule écriture, ce n'est pas deux écritures. C'est l'écriture qu'on a mis en hébreu. C'est l'écriture en arabe. C'est l'écriture chez les bouddhistes en chinois, c'est l'écriture en anglais, c'est l'écriture en français, c'est l'interprétation des textes, ce sont les mêmes textes. Que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit la Torah, ce sont presque les mêmes textes de loi, la loi divine. Chaque religion s'est approprié les textes de loi, puis a écrit, a interprété. Surtout, ce sont les mêmes textes de loi. Donc, qu'on soit croyant ou non croyant là, c'est l'œuvre de Jésus ou bien de Dieu qui est là. Je mets ça de côté. Je voudrais vous parler de ce que Jésus lui-même disait dans la Bible, qui est écrit dans la Bible pour les chrétiens. Quand les disciples ont posé la question à Jésus, ton avènement, ça veut dire ton retour, là, quand ça va approcher là, Jésus, dis-nous, ton retour, quand ton retour va approcher là, quels sont les signes de ton retour? Jésus a dit, c'est écrit dans la Bible, personne ne sait. Personne ne sait. Personne ne sait à part le Père, mon Père seul. C'est-à-dire, personne ne sait les signes du retour de Jésus à part le Père. C'est-à-dire, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Jésus, là, il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Jésus-même, là, quand il parle de Dieu, il dit, mon Père, notre Père, mon Père qui est aux cieux. Parole de Jésus lui-même. C'est-à-dire, Jésus lui-même, là, il ne s'est jamais mis sur le même, au même niveau que Dieu. Jésus n'a jamais parcouru la Bible. Jamais c'est écrit que Jésus est Dieu. Donc, vous, sur terre, là, vous vous dites que vous croyez en Jésus, là, et puis vous vous appropriez Jésus, là, vous vous dites que vous êtes Dieu, là. C'est pour quelle raison? C'est pour quelle raison? Parce que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il n'a jamais dit ça. Il a toujours dit, mon Père, mon Père, mon Père. Très bien. On va continuer. Quand il a dit, mais il aura des signes. L'apôtre Paul dit, il aura des signes. Les signes là, il aura des tremblements de terre. Il aura des famines. Il aura des guerres dans divers lieux. Quand il a dit ça, c'est écrit dans la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Vous qui vous autoproclamez prophète, pasteresse, quoi? Diacre, bishop, j'en passe, et les meilleurs. Lisez bien la Bible et interprétons bien la parole de Dieu.
Il dit, les gens flottants, là, ça veut dire, c'est des gens, ils flottent, ils ne croient même pas à sa parole. Ils suivent les faux pasteurs parce qu'ils sont pressés. Les pressés de devenir riches parce qu'il y aura des famines, parce qu'il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre. Les gens flottants vont courir derrière les imposteurs qui vont parler en son nom, qui vont même dire qu'ils sont le Christ. Ces gens vont passer par la porte large. Ceux qui passeront par la porte étroite iront dans le royaume des cieux. C'est quoi la porte large, la porte étroite? Ceux qui sont pressés de devenir riches là, ils courent derrière les miracles. Sans même comprendre la parole de Dieu. Ceux qui sont pressés de réussir là, avant même le destin que Dieu leur a destiné, ils courent derrière ceux qui disent qu'ils chassent les démons. Ils courent partout. Ils parcourent toutes les églises. Ils vont voir les prophètes. Ici, il y a tel prophète qui fait des miracles. Il y a tel prêche qui fait des miracles ici. On va ici. Il y a Addis Atouré ici. Il y a pasteur Naomi par là. Ils parcourent tous ces faux pasteurs et docteurs à la recherche de quoi? Vanité. C'est écrit dans la Bible. Jésus a dit, gardez-vous de ces faux prophètes. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous de ces faux prophètes. Matthieu 7, verset 15. Prenez votre Bible. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous de ces faux prophètes. Ils viendront en vous en vêtements de brebis. Mais dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est écrit dans la Bible. Toi, tu t'assois. Si tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, on va dire. Si tu lis la Bible, si tu comprends les paroles de la Bible, tu ne peux pas croire à ces faux prophètes, à ces faux docteurs. Tu ne peux pas croire à ces imposteurs. C'est écrit dans la Bible. Je dis Matthieu 7, verset 15. Il dit ceux-là, c'est eux qui vont crier partout. Seigneur, 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 ils opèrent des miracles. Ils viendront vous dire qu'ils sont le Christ sur terre. Ils parleront à mon nom. Méfiez-vous d'eux. C'est quelle partie de la Bible que toi tu n'as pas lu? Et que toi tu n'arrives pas à discerner les faux. La parole de Dieu dit, les faux prophètes vont venir parler à mon nom. Ils vont dire qu'ils sont le Christ. Si tu entends un prophète ou un docteur qui dit qu'il est le Christ, éloigne-toi de lui. C'est écrit dans la Bible. Vous croyez en quoi? Au fétichisme déguisé? Ou vous croyez en Christ? Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Oui, il y a un choix à faire. Et je veux qu'on parle de cela. Jésus dit, prenez garde et méfiez-vous. Est-ce que toi tu prends garde? Est-ce que tu te méfies? Tu prends garde, tu te méfies. C'est écrit dans la Bible. Quand il dit, la venue de Christ sur terre, personne ne sait. Seul le Père. Cependant, il y aura des signes indiquant que les prophéties des Écritures relatives à cette époque tumultueuse sont à court d'accomplissement. C'est-à-dire, Jésus est en train d'avertir.
Pourquoi il y a autant de faux prophètes? Parce que c'est l'interprétation de la Bible, là, des textes là. Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a autant de faux prophètes. Parce qu'il y a des turbulences, il y a la famine, il y a la guerre, il y a les souffrances. Quand il y a la souffrance, il y a des vendeurs de sable d'illusion, des imposteurs. Parce qu'ils savent qu'il y a des proies. Ils savent qu'il y a des personnes fragiles. Ils savent qu'il y a des personnes vulnérables. Dans la Bible, c'est écrit. C'est l'interprétation que je vous donne, mes frères et sœurs. C'est pour ça que je dis. C'est une pauvreté intellectuelle, spirituelle, professionnelle qui pousse les gens à croire à ce genre d'individus. Jésus a averti à plusieurs reprises dans la Bible qu'avant sa seconde venue, plusieurs faux prophètes s'élèveraient et séduiraient beaucoup de gens, y compris même les gens même de l'Église. Matthieu 24, verset 11, c'est écrit. Vous avez le devoir, nous avons le devoir d'être des sentinelles sur la tour. Ça veut dire des personnes non flottantes. Même dans l'église, dans les lieux de culte, il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs. Nous sommes avertis. Qu'est-ce qui nous surprend? Pourquoi il y a autant de gens pauvres spirituellement qui suivent autant d'imposteurs? Parce que ces gens ont faim. C'est la faim. Et ces gens sont pauvres spirituellement. Ils ne savent pas le chemin de Dieu. Ils sont manipulés par ces fausses personnes. Jésus a dit, chaque fois que vous les voyez, il dit, chaque fois que vous voyez se lever un homme qui affirme avoir reçu une révélation directe du Seigneur, vous pouvez le considérer comme un imposteur. C'est écrit dans les mêmes livres que vous attrapez pour lire. C'est écrit dedans. Comment vous n'arrivez pas à discerner pour voir que ces gens sont des faux prophètes et des faux pasteurs? Il dit, je répète aussi, que les faux pasteurs et les faux prophètes sont parfois des docteurs, même membres de l'église et des lieux de culte. Ils sont aussi membres des mosquées, ils sont membres des synagogues. Il y en a de faux partout. Il faut avoir l'esprit de discernement, comprendre la parole, comprendre les textes pour discerner, pour voir et s'éloigner de ces gens dangereux. Gardez-vous loin d'eux. Gardez-vous loin d'eux. Mes frères et sœurs, pourquoi? Ça, c'est le volet spirituel que j'ai abordé. J'ai abordé le volet spirituel. D'accord? J'ai abordé le volet spirituel. Je ne suis pas rentré dans tous les détails du volet spirituel. Je vais venir sur le volet de la République. Parce que quand j'ai fait mon poste sur ce monsieur se réclamant être Jésus, j'ai eu des appels de certaines personnes. Gouza, la laïcité est où? Pourquoi? Est-ce que l'État a le droit? Est-ce que l'État n'a pas le droit? Est-ce que l'État a le droit? Et je vais vous expliquer ce que c'est que la laïcité. Ce que c'est que l'État. Ce que c'est que la République et le rôle de l'État. Oui, c'est important. La République est laïque. Oui, la République est laïque. Ça veut dire quoi? La République est laïque. Ça veut dire la séparation de l'État et des organisations religieuses. C'est ça la laïcité. Aussi, la liberté de croire, de tout citoyen, de croire ou de ne pas croire. Je reprends. La laïcité, c'est la séparation de l'État et des organisations religieuses. La laïcité,
c'est la liberté de tout citoyen de croire ou de ne pas croire. Jusque-là, on est bon. Chacun est libre de croire à un mensonge ou à ne pas croire à un mensonge. Mais quand le mensonge impacte sur la vie des citoyens, des personnes fragiles, des personnes faibles, ça devient un délit. Et c'est passible de prison. Et l'État a obligation de protéger les personnes fragiles. C'est pour ça que souvent les gens ne comprennent pas ce que la laïcité. C'est la laïcité. Pourquoi l'État se mêle? Pourquoi l'État ne se mêle pas? C'est vous qui ne savez pas ce que la laïcité. C'est vous qui ne savez pas ce que les personnes fragiles, vulnérables. Dans la Constitution, toute personne vulnérable et fragile doit être protégée. Sinon, l'État est responsable. En cas de quoi? Continuons. La laïcité, c'est le fait de pratiquer sa religion tout en respectant l'ordre politique fondée sur la souveraineté du peuple et des citoyens, c'est-à-dire l'État, tout en respectant l'ordre public. L'ordre, l'État ne doit pas reconnaître les cultes. L'État n'est pas là pour reconnaître les cultes. Tout cela fait partie de la laïcité. L'État n'est pas là pour subventionner les religions. Ça fait partie de la laïcité. On dit séparation de l'État et des organisations religieuses. Cette séparation se traduit par la neutralité de l'État. L'État est neutre. L'État est neutre. Les collectivités sont neutres. L'administration est neutre. Les services publics sont neutres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans une commune, là, on ne doit pas connaître la religion du maire. Parce que dans la commune, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs religions, il y a la laïcité, tout le monde a sa religion. Mais le maire incarne tout le monde, donc il doit rester neutre. C'est ça la laïcité. Le président de la République, là, lui-même doit être neutre. C'est ça la laïcité. Les ministres, là, ils doivent être neutres. Ils ne doivent pas mélanger leur religion avec leur rôle. C'est ça la laïcité. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question sur la laïcité. Tout comme le citoyen fonctionnaire, là, quand il va au travail, là, on ne doit pas connaître ta religion. Tu peux pratiquer ta religion, mais ta religion, là, tu n'as pas besoin d'imposer ça à tes collègues. Hein? Dans ton bureau, là, on ne va pas voir tableau de Jésus ou tableau de Mohamed ou tableau de Bouddha ou tableau de Moïse. On n'a pas à voir ça dans ton bureau parce que c'est l'administration. C'est ça la laïcité. Est-ce que jusque-là, je me suis fait comprendre? On va continuer. On dit la République est laïque. Parce que la République respecte l'opinion de chacun. Donc la laïcité oblige l'État à être neutre parce que nous sommes une République laïque. Pour ceux qui m'ont posé la question sur la laïcité, parce qu'on m'a dit, Gouza, pourquoi tu as remercié dans ton poste? Tu as dit, je remercie les autorités, alors que la République est laïque. Oui, la République est laïque. Je précise que ces faux pasteurs, ces faux révérends, ces faux prêches, ces prophétesses à tout va, qui abusent de la fragilité, de la pauvreté des populations, ça devient un délit. Et l'État a l'obligation de fermer, dans une république laïque, là, on n'accepte pas les sectes. Les sectes, là, on n'accepte pas ça dans une république laïque. Est-ce que ça, vous le savez aussi? Donc, l'État, là, son rôle, si l'État estime, constate que c'est une secte qui endoctrine des gens, c'est une secte qui empoisonne la vie des gens, c'est une secte
qui abusent de la fragilité des gens. L'État peut être saisi quand je parle de l'État. Parce que les gens confondent l'État. Quand on dit l'État, les gens pensent que c'est directement le chef de l'État. Le chef de l'État, il est le chef de l'État. Mais l'État là, l'État est bien organisé. L'État, c'est aussi la police. L'État, c'est aussi la gendarmerie. L'État, c'est aussi les préfets. C'est tout ça qu'on appelle l'État. Mais quand je dis l'État, ne pensez pas que c'est forcément le chef de l'État qui va dire, je veux qu'on arrête et Jésus-Christ baoulé. Mais là, vous êtes dans un délit, pas possible. Le rôle du chef de l'État, ce n'est pas de dire d'arrêter. Soit un imam prêche, qui a des paroles de radicalisme. Ce n'est pas de dire arrêter un pasteur qui a des pratiques obscènes. C'est pas ça. C'est pas ça le rôle du chef de l'État. Et ce n'est pas le chef de l'État qui donne les ordres pour dire arrêtez-moi un tel, arrêtez-moi un tel. Sortez un peu de ce genre de polémique inutile. C'est pour ça que j'ai dit sur mon poste, je comprends mieux la difficulté de nos compatriotes. C'est que beaucoup ne savent pas les institutions. Ils ne comprennent pas le rôle des institutions. Ils ne savent pas le rôle des institutions. Et c'est dommage. Il faut une éducation. Il faut une pédagogie pour expliquer aux citoyens ce que c'est que l'État. L'État, c'est aussi la police. L'État, c'est aussi la justice. Tout ça, c'est l'État. Ce n'est pas le président. Le président, il est le chef de tout. Quand on met tout ça ensemble, ce qui fait que la nation fonctionne là, on met, la République fonctionne, quand on met ça ensemble, on appelle ça l'État. Et puis à la tête, il y a le chef de l'État qui est élu par les citoyens, qui est un élu qu'on a voté. Mais le fonctionnement de l'État, il y a le chef du gouvernement, il y a le gouvernement, il y a les ministres, et ainsi de suite. Il y a les préfets. Donc l'État, quand je dis je remercie les autorités, quand je parle des autorités, je ne parle pas du président. Non, les autorités, il y a les autorités, la police aussi est une autorité. La gendarmerie est une autorité, pour preuve. Je ne sais pas si c'est la gendarmerie ou c'est la police qui allait au domicile de ce monsieur Naomi. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle Naomi déjà, qui est un autre femme, mais ce n'est pas grave. C'est son droit d'avoir une autre femme. D'aller au domicile de ce monsieur Naomi. Mais ce que vous ignorez, les gens comme Naomi là, les gens comme Naomi, les gens comme Adissa Touré, les gens comme Habib, là, il y a un prêche là, qu'on appelle Habib qui prêchait, je ne sais plus, donnez-moi son nom là. Vous qui êtes là, pour voir que je prononce mal son nom et que je puisse dire c'est quelqu'un d'autre. On ne peut pas abuser des personnes fragiles. On ne peut pas abuser d'eux. Vous savez ce que ça causait aux États-Unis? Les genres de personnes comme le monsieur Naomi, là. Qui connaît l'histoire de Jeff Warren? L'histoire de Jeff Warren. Qui connaît l'histoire de Jeff Warren? Vous qui me lisez là, qui connaît l'histoire de Jeff Warren? Jeff Warren, là, il s'effaçait pour le Christ sur terre. Exactement le même comportement de ce monsieur. C'est ce que Jeff Warren faisait. Jeff Warren dit, il est Jésus. Il a construit. Et comme les gens sont fragiles, comme il y a la famine, les gens ont envie de réussir rapidement. C'est-à-dire qu'il avait plus de 15 000 adeptes. 15 000. Imaginez les 15 000 là. Si chacun même donne $1 par tous les dimanches, ça fait $15 000 chaque dimanche que lui gagne dans sa caisse. Ah oui. Jeff Warren. Qui connaît son histoire? C'est 15 000, si c'est $1 que chacun donne, je veux juste même réduire à $1 qui ne signifie pas grand chose, qui est juste une baguette de pain. 15 000 adeptes, $1, ça fait $15 000 chaque dimanche. Et c'est pas $1 que chacun, tout le monde donnait. D'autres donnaient plus. Donc facilement, chaque dimanche, il est à $30 000. Ce Jeff Warren, il a construit un domaine. Il s'est éloigné. Il a endoctriné. Il dit qu'il est le Christ sur terre. Oh Seigneur. Que lui, il est le Christ sur terre. 78 femmes
y compris ses propres filles sont ses femmes. C'est que voilà des gens qui souffrent de démence. Ils ont des troubles. Si l'État n'agit pas, il y aura des dégâts. Ces gens-là, à un moment donné, ils arrivent même à manger souvent la chair humaine. Parce qu'ils sont devenus... Quelqu'un qui dit qu'il est Dieu sur terre. Mais imagine son état d'esprit. Il se croit au-dessus de tout. C'est très grave. Il y a une limite à ne pas franchir. Il y a une limite à ne pas franchir. Oui, la laïcité, là, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Mais il y a des limites, il y a des règles dans la société, là, on ne doit pas dépasser. La laïcité ne te donne pas le droit de mentir aux pauvres populations ou d'abuser des gens. La laïcité ne te donne pas le droit d'abuser des personnes fragiles. Ce n'est pas ça la laïcité. Ça s'appelle un crime. Jeff Warren, aux États-Unis, vous allez regarder rapidement sa vidéo. Jeff Warren. On parle de lui. J'ai mis sa vidéo. La vidéo de Jeff Warren. Bon. On va regarder sa vidéo. Je crois que c'est celle-là. Warren Jeffs. Le prophète Warren Jeffs est considéré comme un polygame extrêmement dangereux. Je crois qu'il avait 78 femmes. Young girls no more than 12 or 13 years old. My dad is a pedophile. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour protéger mes enfants. I think he's a sociopath. Je pense que c'est un sociopathe. He was able to convince 15,000 people that he was Jesus Christ to them. Jamais ma chasse qui m'aime. Un tel degré d'obéissance is staggering. It is a complete church run state. If they were the Taliban of America, I would say this is it. The church and Warren controlled everything. He's either the mouthpiece of God or the most evil person on earth. Everyone doit savoir la vérité. And it will shock the world, the evidence that comes out. Mr. Jeff, should your followers still consider you a prophet? Warren Jeff is a monster. Vous avez vu celui-là? Vous avez vu Jeff Warren? La laïcité, la laïcité. Voilà ce qu'est la laïcité, donc. La laïcité, la laïcité, là, voilà ce que ça donne. Quand on laisse trop faire, quand les gens dépassent les limites dans la société, ça donne des monstres comme ça, comme les Jeff Warren. 78 femmes, y compris ses propres filles. Ses propres filles, là, il en fait des femmes. Et puis, il fait enfant avec ses propres enfants. Ses enfants, les garçons, là, c'est lui-même qui couche avec ses propres enfants garçons. Un pédophile. Il est assis. Lui, il s'est dit qu'il est Jésus sur terre. Il est le Christ sur terre. C'est ça, là, vous appelez laïcité? Excusez-moi, mais là, ça me tape un peu sur les nerfs, là. C'est ça, on appelle la laïcité? Quand vous avez ce monsieur Naomi... qui dit qu'il est Jésus, il est Jésus. Et puis il est assis, il fait des yeux d'un malade mental comme ça pour regarder les gens que lui, il est Jésus. Mais on est où là? On est dans quelle république là? On est où? On laisse des individus comme ça venir perturber les populations, abuser de la fragilité des populations. Parce que les gens sont pauvres, parce que les gens veulent devenir riches, parce que les gens ne savent pas où mettre la tête. Il faut abuser. C'est quoi ça? C'est quoi ce genre de pratique qui se développe de façon anarchique comme ça? On ne peut pas laisser faire. Il faut mettre un terme à ce genre de bandits qui se prennent pour des révérends, des pasteurs, j'en sais rien, pour des imams. Les gens se lèvent. Bon, ils ont fait quelle étude même et puis ils sont imams? Ils ont fait quelle étude et puis ils sont pasteurs? Ils ont fait quelle étude et puis ils sont révérends? Ils ont fait quelle étude? Pour interpréter la parole de Dieu, il faut faire des études de théologie. C'est pas n'importe qui interprète les livres saints. C'est pas n'importe qui. C'est pour ça souvent, j'aime prendre l'exemple. Je dis, regardez bien. Mathias Béranger, merci mon petit frère. Je dis, regardez. Vous partez en Israël là. Vous voyez les rabbins faire des bêtises que vous faites comme ça. En Israël, vous partez prendre vos huiles, d'après, vous prenez les huiles là-bas. Là.
l'huile sainte ici, l'huile d'Israël par là, l'huile de Jordanie par ici, l'huile de par là, là. Les bêtises comme ça se passent là-bas en Israël. Mais c'est toujours en Afrique noire qu'il y a des conneries pareilles. Et s'il y a deux pays en Afrique noire où il y a autant de bêtises, c'est la Côte d'Ivoire et puis le Congo RDC. Je ne sais pas pourquoi. Ces deux pays-là, c'est là-bas, il y a plein de bêtises religieuses. La Côte d'Ivoire et le Congo RDC. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces deux pays-là. C'est quoi le problème? C'est la misère sociale qui vous pousse comme ça à ce point. C'est quoi le problème? Ce Jeff Warren, il a fini par tuer tout le monde. Il a pris, c'est que les gens là, les gens ont commencé à fuir. Il a enfermé tout le monde. C'est le jus, non, il a empoisonné, non, oui. Il a pris cyanure là. Il a mis dans jus. Il dit lui, le Jésus, et ça c'est le Jésus là, le monsieur que je vous ai montré, ce malade là. Il a mis cyanure dans jus. Il a donné à tout le monde. Les gens sont... Vous savez, ses disciples, là, ils sont morts. Et puis, il a tout fait exploser. Ça, c'est Jésus, là, qui est là. Mais des débiles comme ça, ils sont remplis. Il y en a. Il y en a, malheureusement, en Côte d'Ivoire. Il y en a. Il y en a, en Côte d'Ivoire, malheureusement. Parfois, là, il y a des politiciens qui jouent avec ce genre de personnes. C'est pour ça que ce genre de gens, personnes pensent qu'ils sont Dieu sur terre. Parce qu'ils jouent, la politique se mélange à de l'obscurantisme. Il faut qu'on mette fin à ça. La société est assez fragile comme ça. Des politiciens qui veulent, eux là, ils ont honte d'aller s'asseoir chez les marabouts. Donc eux là, c'est les imams, là, les prêches. Parce que je ne pourrais pas dire imams, c'est des prêches. Les gens qui font du fétichisme et qui parlent au nom de Allah. Des gens qui font du fétichisme, qui parlent au nom de Jésus. Des gens qui font du fétichisme, qui parlent au nom de Bouddha. C'est des gens comme ça, les politiciens courent derrière eux. Et c'est des politiciens en Côte d'Ivoire qui encouragent ce genre de bêtises. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il faut commencer à dénoncer ce genre de pratique. On est étonné. Parfois là, on est étonné. La Côte d'Ivoire là, on va transformer ça maintenant. Il va avoir un marché de corps humain où les gens vont aller acheter la viande. Ils vont aller acheter la jambe. Ils vont aller acheter la tête. Ils vont aller acheter la langue. Ils vont aller acheter le pied. Faire des sacrifices. Un temps là, on égorgeait les gens, c'était des bidons de sang, on cherchait partout, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a des gens d'individus comme ça dans la société. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réussisse ensemble une société si même ceux-mêmes qui doivent même porter la parole, ceux-mêmes dans la pratique. Les gens tellement qu'ils veulent le pouvoir, ces politiciens-là, ils sont prêts à jouer avec tout et n'importe quoi. C'est ces faux pasteurs, ces faux révérends, ces faux Christ sur terre-là. C'est eux qui vont faire leur fétiche. Et ce sont ces politiciens qui les rendent riches, c'est pas quelqu'un. Donc ces gens-là, ils se disent qu'ils n'ont rien à foutre. Ils sont Jésus. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ils sont Jésus. Et ils disent qu'ils sont Dieu même sur terre. Qui peut leur faire quoi que ce soit? Parce que si vous voulez toujours faire la pression sur eux, ils vont vous dénoncer. Puis ce sont sans scripture. Ils vont vous dénoncer. Donc, ils se disent qu'ils sont Dieu sur terre. C'est-à-dire, finalement, ils se disent qu'ils ont plus de pouvoir que vous-même. Puisque votre vie est dans leurs mains. C'est pas pour. Il faut que ça s'arrête. C'est pour ça que je parlais de la dame Adissa ou Adissa Touré. J'ai parlé d'elle. Voilà une. Elle prend l'eau. Et puis les gens font de l'hypnose en plein air et ils disent qu'ils font des miracles. Ils font de l'hypnose en plein air. Ils disent qu'ils font des miracles. Mais comme ils font des miracles, on va les déposer sur la croix. Et puis ils vont faire miracle, on va voir. Parce que le prophète Mohamed, là, Mohamed, là. Les gens l'ont lapidé en Arabie Saoudite. Vous savez ça? S'il y a mes frères musulmans qui sont là, ils vont me dire. Comme vous dites que c'est vous qui l'avez envoyé sur terre, là. On va prendre aussi ces faux prêches, là, qui disent que c'est Mohamed qui les a envoyés, là. On va les lapider au soleil. On va voir s'ils vont opérer les miracles, là.
Si vous pouvez être aussi solide que Mohamed, que le prophète. Comme vous dites que c'est Jésus qui vous êtes Jésus sur terre là, on va vous déposer sur la croix là. Et puis on va vous crucifier là-bas. Comme vous êtes Jésus, on va venir 3 jours après pour voir si vous êtes monté au ciel. On va voir si vous êtes monté au ciel 3 jours après. Il faut que les gens arrêtent ça. Parce que des débiles comme ça sont remplis dans la société. Ce sont les vrais trafiquants, là, ce sont ce genre de personnes-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les trafiquants, là, ce sont plus ce genre d'individus qui s'autoproclament comme ça, être des pasteurs. Ils n'apportent rien de potable, rien d'équilibre à la société, ni aux humains. Ce sont des escrocs. Plus ces gens-là, ils sont nombreux, plus les trafiquants sont nombreux. Vous n'avez pas vu? Plus ces gens-là, ces nouveaux riches pasteurs-là, vous les voyez, plus le trafic de drogue est trop, plus le trafic de corps humain, plus le trafic, plus le banditisme est trop, plus le vagabondage. Il y a un problème là. Il y a un problème. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il y a un problème. Il y a une vidéo là. Là voilà, la dame a dit ça là. C'est elle. Vous savez, il faut que les gens aillent à l'école. L'éducation, c'est important. Il faut qu'on enseigne. L'éducation, c'est important. Il faut que les gens aillent à l'école. Ils doivent aller apprendre à lire, à écrire. Si les gens savent lire et écrire, ils vont prendre le temps de lire la Bible, lire le Coran, et ils vont comprendre. Aujourd'hui même, il y a le Coran qu'on fait la traduction en français. Les gens n'ont qu'à aller lire, ils n'ont qu'à aller à l'école. La pauvreté fait que les gens qui ne savent pas lire et écrire, là, ils sont complètement perdus. Quelqu'un va prendre l'eau, ils font des quoi? Ils font de l'hypnose en plein air, ils font ça, ils vont hypnotiser les gens. Les gens tombent en transe, on dit, oh, elle fait des miracles, elle fait des miracles. Elle fait des miracles là. Quand vous regardez elle, sa maison, dans son cadre de vie là, vous avez la même vie qu'elle. Vous avez la même vie qu'elle. Je vois souvent, mais j'ai ri. Jésus même là, il était en tapette. Toi, tu dis, tu es Jésus. Tu es dans une grosse maison, dans la grosse voiture. Mais Jésus n'avait pas de grosse voiture à son temps. Donc, quand on dit qu'on est Jésus sur terre là, on doit avoir la vie de Jésus. Il faut être charpentier. Ah bah oui. Ah bah oui. Moi, Jésus, qui sont là dans les bijoux en or, ils font des produits, se décapent la peau, des grosses produits. Ce sont des dealers. Ce sont des dealers. Le problème, il faut que dans la République, là, les hommes politiques arrêtent de s'amouracher avec des dealers pareils. Sinon, nous, on va les appeler dealers aussi. Il faut que les hommes politiques arrêtent de s'amouracher. L'État, la neutralité de l'État, la laïcité, c'est la neutralité de l'État. Parfois, les gens sont, je ne sais pas, à la quête de quoi. Si c'est des popularités, ils sont prêts à s'amouracher avec des bandits, des délinquants, des voyous, des tireurs. Ça entraîne ce genre de phénomène dans la société. Et ce genre de phénomène-là, c'est un vrai danger pour la cohésion sociale. C'est un danger pour la République. C'est un danger pour les institutions. Quand je parle là, vous n'écoutez pas. Quand ça arrive, on dit que vous avez dit. Mathias Berger dit, il y a une au Bénin qui dit elle, qu'elle est Dieu. Elle a ouvert son église qui a beaucoup de fidèles. Elle a même aussi choisi son pape. Mais voilà. Il n'y a qu'en Afrique noire, il y a des bêtises pareilles. Oh Seigneur, qu'avons-nous fait au bon Dieu? Je vous invite ce soir à regarder le film de Qu'avons-nous fait au bon Dieu? C'était TF1. Et qui sort aussi le deuxième,
qu'avons tous, nous tous fait au bon Dieu qui sort ici à Brigitte. Sinon, c'est vraiment parler au négaté. Au moins, je vais rire, c'est encore mieux. Parce que je suis fatigué de réfléchir. C'est quoi le problème? C'est en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire et puis au Congo, là. Je ne sais pas. Vous avez des gens, ils sont assis, ils disent oui. Et ils doivent délivrer des gens. Et ils doivent coucher avec la femme des gens pour les délivrer. Non, mais c'est quoi ce continent? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. L'église, il faut que, c'est pour ça que vous savez, dans la vie politique de notre pays, il y a eu une erreur. Et cette erreur-là, certains sont en train de la répéter et ce sera très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Je le dis sincèrement, avec beaucoup de peine. Les gens ont mélangé. Quand on parle du pouvoir, ça, c'est pas le pouvoir exécutif lui-même, ce sont les gens autour du pouvoir qui, à l'époque de l'ancien pouvoir, ont mélangé l'église avec le pouvoir. Et ça a été désastreux pour la Côte d'Ivoire. Ça a tué beaucoup d'Ivoiriens, ça a fragilisé la cohésion sociale. Et puis on observe aujourd'hui, il y a des gens qui sont auprès du pouvoir qui s'amourage avec ce genre d'individu. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que ça s'arrête. Les mêmes erreurs là, ça produit. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pas bon. Quand on a des individus comme ça, il faut vraiment se détacher de ce genre de personnage. C'est pas bon. Mes frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, je dis le problème de la religion est très sensible. Et donc, dès qu'on touche à la religion, c'est le deuxième pétrole du monde. La religion est le deuxième pétrole du monde. Après le pétrole, c'est la religion. Ce n'est même pas le diamant ni l'or. Hein. Non. Hein. Ce n'est pas le café, le cacao. Non. Hein. C'est la religion. La religion rapporte plus d'argent au monde après le pétrole. Est-ce que vous avez ça? Je ne vais pas aller plus loin. Nous tous, nous croyons à un être suprême. Nous tous, nous croyons à l'architecte de l'univers. On sait que il n'y a pas de hasard. Tout a été planifié. Tout a été créé. Et qu'il y a Dieu au-dessus de nous tous. Mais quand on est dans une république là, il faut savoir dissocier les choses. Il y a l'État, il y a la république, il y a l'État, il y a les religions, il y a les citoyens. Il y a l'État, il y a la république, il y a l'État, il y a les religions, il y a les citoyens. Il y a des lois. Lesquelles des lois? Les lois de la République. Les lois de la République là, protègent tout le monde, qu'on soit religieux, croyant ou non croyant. On dit la laïcité. Parce que la République, l'État protège tout le monde. On dit la laïcité. Mais tout le monde que l'État protège là, tout le monde ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ça s'appelle l'ordre. Il faut que l'ordre règne et que chacun joue pleinement son rôle et chacun respecte ce qu'il y a à faire. Des gens qui abusent de la fragilité des personnes, des citoyens, sont un réel danger pour la République. Ces gens-là, s'il y a abus, une secte dans une République est un danger pour la République. Donc l'État a le droit d'interroger les gourous de ces sectes. Parce que ce ne sont pas des prophètes, hein, ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des gourous. Les gourous, là, l'État a le droit, c'est-à-dire l'État, les autorités ont le droit d'interroger les gourous. Pour dire, votre. Voilà, il y a des gens fragiles. Donc l'État est là pour protéger les populations. Ça ne veut pas dire que l'État choisit une religion plus que l'autre. Ce n'est pas ça. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses, hein, les gens écrivent.
Oui, mais pourquoi? Parce que pourquoi on a dit que c'est un Jésus bavoulé et puis on l'arrête? Non, c'est pas parce qu'il s'appelle Jésus bavoulé qu'il a été entendu. J'y crois pas. J'y crois pas. Parce qu'il y a des personnes fragiles. Pour terminer dessus, la mère Naomi elle-même, qui avait son église, cette église-là, elle a été construite sur un ancien cimetière. Vous savez ça? C'est sur cimetière qu'on construit l'église. Vous qui m'écoutez là, c'est sur cimetière qu'on construit l'église. Il y a des pasteurs, il y a des vrais, je ne parle pas des voyous et des vagabonds, non. Dans la République, dans notre pays là, il y a des pasteurs. Et je pense que ces vrais pasteurs là, c'est vrai, je ne parle pas des bandits et des voyous, ces vrais pasteurs là doivent se repositionner au cœur de la religion pour sauver l'église. Il faut sauver l'église des Côte d'Ivoire. Trop de vagabonds parlent au nom des pasteurs. Trop de bandits parlent au nom des pasteurs. Trop de voyous parlent au nom de Jésus. C'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Il faut que l'église, les hommes de Dieu, qui ont vraiment la connaissance et la crainte de Dieu, je ne parle pas de businessmen, les hommes de Dieu qui ont la crainte de Dieu, qui œuvrent, qui font l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est le respect de son prochain. L'œuvre de Dieu, là, ta façon de parler, un pasteur, un homme de Dieu, quand on dit homme de Dieu, là, il est un langage de Dieu. Il faut que ces vrais gens reviennent au cœur de la religion. Il y a un laisser aller, il y a un n'importe quoi, c'est pas bon. C'est en train de détruire l'image de l'église, c'est en train de détruire l'église elle-même et c'est en train de détruire le nom de cette religion. C'est pas bon. Il faut qu'il y ait vraiment, reprenez le bâton, les hommes de Dieu. Je parle pas des hommes d'affaires, je parle pas des businessmen, je parle pas des bandits. Il ne parle pas des vagabonds ni des voyous, là. Il ne parle pas de ceux-là. J'ai dit les hommes de Dieu. Revenez au cœur de l'église. Reprenez la main. Reprenez la main. Ne laissez pas ces faux pasteurs, ces faux prêches parler au nom de l'église. Je m'arrête là. Très bon dimanche à chacune d'entre vous. On se dit à la semaine prochaine. Que Dieu, dans sa miséricorde, accorde la sagesse à chacun d'entre nous pour que son œuvre perdure sur terre. Bon dimanche à tous.